Le chers élèves, alors donc aujourd'hui on va essayer de faire une leçon de la lecture manuelle parcours première année collégiale, séquence produire un récit court et simple. Alors on va commencer par la lecture du texte. Alors, deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été et ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, n'y comprenant rien. Ils décidèrent de manger des beefsteaks, ils essayèrent d'examiner leurs désirs, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau du papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint et l'a porté sur une assiette du billet d'entrée pour une course de taureau. Donc, voilà le texte. On va essayer maintenant de répondre à la question de compréhension. Alors, la première question, je relève les personnages de ce texte. Alors, les personnages on a deux Français et un garçon. Deux Français, c'est-à-dire deux citoyens français, et un garçon. Le lieu de l'histoire, c'est, on a ici plusieurs endroits, plusieurs lieux. On a Espagne, on a Tolède et on a aussi un restaurant. Okay, alors les événements de cette histoire se passent au restaurant. Le temps de l'histoire, c'est pendant l'été. Okay? Et on a aussi pendant l'été, on a aussi un jour. Les actions du personnage, ou bien l'action du personnage ici, c'est le voyage. Ils ont fait quoi? Ils ont voyagé. Voyagé où? À l'Espagne. Deuxième question, c'est je complète le tableau suivant à partir du récit. Alors, on a ici un tableau, on a des étapes de récit. Les étapes de récit qu'on a, c'est la situation, pardon, on a le début du récit, on a les événements ou bien les actions, et on a aussi la fin du récit, trois étapes. Alors, étape, on va délimiter l'étape et quels sont les indicateurs de cette étape. On va commencer par la première étape, c'est l'étape du début du récit. Alors, de deux Français jusqu'à les embarrasser parfois. Les indicateurs qu'on a ici, on a un indicateur pendant l'été, indicateur de temps. Pour la deuxième étape, c'est l'étape événement ou bien action, c'est-à-dire là où il y a les actions. Alors, il commence de un jour à Tolède jusqu'à s'éloigner aussitôt. Okay? Alors, l'indicateur ici, qu'on a l'indicateur de temps, c'est un jour, un jour. Fin du récit, la fin du récit, c'est le dernier paragraphe, et je crois jusqu'au taureau, c'est-à-dire il commence par le discours du personnage, l'un des Français, jusqu'à le taureau. L'indicateur de temps, c'est dizaine de minutes. Pour la question 3, je classe les actions de deux Français dans le tableau suivant. Alors, les actions que les Français accomplissent. On a ici action et on va relever des verbes et le temps de ces actions-là. Alors, la première action, c'est entrer. Quel est le verbe? Ici, c'est le verbe entrer conjugué au passé simple. Okay? Les verbes d'action se conjuguent au passé simple. Et on a aussi examiné, ils ont aussi effectué notre action, celle de examiner. Examiner, le verbe examiner au passé simple. Et aussi, ils décidèrent de manger des beefsteaks. Alors, ici, décider, le verbe, c'est décider le verbe de premier groupe au passé simple. Et aussi, c'est un verbe d'action. Essayèrent, le verbe essayer au passé simple. Et pour la troisième, ou bien pour B, la troisième question, je classe les actions du dessinateur dans le tableau suivant.
Alors, quelles sont les actions que le dessinateur a accomplies? Il a fait quatre ou bien trois actions. Après, il a cisé, il a pris, cisé un morceau de papier. Okay, le verbe saisir au passé simple et aussi inscrivait au passé simple. Le verbe inscrire au passé simple et remet, c'est-à-dire il a donné, le verbe remettre, okay, au passé simple. On a aussi le verbe dessiner. Okay? Ici, c'est le verbe dessiner au passé simple. La quatrième question, c'est, je dégage la phrase qui rend compte des actions du dessinateur. Pardon, du dessinateur. Alors, la phrase qui rend compte aux actions du dessinateur, c'est l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au pape, au garçon. Alors, je choisis le schéma qui convient au rythme des actions, de ces actions, puis je justifie mon choix. Alors, le schéma qui rend compte, c'est le schéma A, c'est-à-dire ce sont des actions suivies, ce sont des actions qrab okay? Le schéma qui convient, si on a dit, c'est le schéma A. Pourquoi? Parce qu'ils sont des actions suivies ou bien ce sont des actions successives. Je relève l'autre mot qu'on renvoie au bœuf. Au bœuf ici, c'est le mot, le synonyme de bœuf ici, c'est le taureau. Je précise la raison qui a poussé les Français à faire un dessin. Alors, la raison qui pousse les Français à faire ce dessin, c'est s'ils venaient manger des beefsteaks, mais ils n'arrivent pas à exprimer leur désir en espagnol, c'est-à-dire ils ne savent pas l'espagnol. Du huitième question, c'est, je précise si le garçon vraiment a compris le dessin. Non, il n'a pas compris le dessin parce que le garçon n'a pas bien compris le dessin parce qu'il a porté du billet d'entrée pour une course de taureau au lieu d'apporter les beefsteaks. On va passer aux questions du je retiens. Alors, la première question, pourquoi les Français ont-ils recours au dessin? Okay? Alors, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ou bien à parler en français ou bien, autrement dit, ils ne savent pas, okay, parler en espagnol. Okay, ils ne savent pas parler en espagnol. C'est-à-dire, faut chercher l'espagnol. D'accord, le bœuf, le beefsteak. Quels sont les trois mots qui montrent que les deux Français n'étaient pas à l'aise? Je vais mettre trois les phrases. Les deux Français, même certains, resteront. Ok, alors on a ici, ils ne savaient pas, embarrassés, essayèrent. Alors la dernière question, c'est. C'est pourquoi le garçon s'est-il attardé? Parce qu'il a allé apporter du bimcha et jib, juge d'iel, tiquetat d'iel, sibar d'iel, les taureaux. Tyrann. Ce texte veut-il, vous paraît-il amusant? Alors, quelle est votre opinion ici? Alors, je trouve ce texte, par exemple, voilà un exemple de réponse. Je trouve que ce texte est amusant parce que les deux Français désirent les beefsteaks, mais le garçon qui ne parle que l'espagnol leur a apporté deux billets de course.